partager dans tous les groupes possibles. On va aller plus vite aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de temps. Et notre frère Mangian Sidibé, qui a été agressé hier, il doit passer à la police. Donc, nous allons le laisser la parole. Il n'est plus à présenter, vous le connaissez évidemment. Donc, bonsoir, monsieur Mangian. Bonsoir, oui. Monsieur Mangian Sidibé. Bonsoir. Ouais. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Chose dit, chose conclue. Et voilà. Il y a un auditeur qui a écrit ouais. que j'ai fait une erreur de communication. Ça peut arriver. Je voudrais qu'il dise quelle est l'erreur pour que je puisse rectifier, puisque nous sommes là pour suivre les remarques de nos auditeurs. Évidemment. Ils sont nos rois. On peut faire des bêtises parfois. Aucune erreur humaine n'est parfaite. Je souhaiterais que la personne réécrive l'erreur qu'il me reproche. Peut-être, comme je viens de dire que je dois aller à la police, c'est parce que la police va venir me chercher ici. Ils ont des indices qu'ils récupèrent et on doit aller ensemble. Ils m'ont prévenu déjà. Donc, je ne serai pas seul. Ne vous inquiétez pas si c'est pour ça. Je ne serai pas seul. Je partirai de chez moi avec la police. Exactement. Qui viendra faire des constats avant de partir. Ne vous inquiétez pas pour ça. La police viendra chez lui. Alors, nous allons lui laisser la parole. Je comprends, Fama. Il dit que j'ai fait une erreur de communication lors de ma... dernière sortie, en fait, la personne était chez Paikounsare, je crois hier ou avant-hier. La personne dit qu'il doute fort que, je répète ce que la personne a dit, ça n'engage que lui, que ça n'engage qu'elle, ça ne m'engage pas, parce que m'a dit que je ne voudrais pas du tout l'attaquer et ni aborder le sujet. Alors, c'est un sujet sensible. Donc, la personne a dit que dans mon intervention, que j'ai dit que après Alpha Condé, obligatoirement, il y aura une transition. Et qu'il dit par là qu'il craint que je ne suive la trajectoire de Madik et que cela suppose que moi, je ne suis pas sûr que s'il pourrait récupérer sa victoire. Alors, on va pas perdre du temps là-dessus. Voilà, moi, je suis pas là pour faire plaisir aux gens. Voilà, On fait une lecture sérieuse de l'actualité. On fait une lecture sérieuse de ce qui peut arriver. Alors, c'est ça, parce que M. Sielou, tout le monde sait, c'est quelqu'un qui est très patriote, c'est quelqu'un qui n'est pas violent. Exactement. Et personne ne peut retirer, personne ne peut retirer le pouvoir à Alpha Condé sans la force. Voilà. Et M. Sielou n'a pas encore les moyens de ça. Il n'a pas les moyens, il n'a pas l'armée, il n'a pas la police, il n'a pas la gendarmerie. Même si c'est lui qui a gagné, il n'a que le peuple. Et quand le peuple sort, on tue le peuple. On tire sur la foule. Ben, et M. Sielou ne voudrait pas que... Je ne suis pas à sa place, hein, je ne suis pas son porte-parole non plus. Ce n'est pas lui aussi qui me l'a dit. Je fais une lecture de son attitude. Parce que c'est une personne pieuse, qui a foi en Dieu, et qui ne peut pas faire du mal à une mouche. Voir ses militants tomber sous les balles, ben, de la dictature, ça lui fait extrêmement mal. Je le connais. Alors, on va pas perdre le silence. Que les gens m'éloignent un peu de ce débat de caniveau pour dire que j'ai dit qu'après Alpha, ça sera une transition obligatoire. Alors, ceux qui appellent ce monsieur, nous autres aussi, nous devons continuer à réclamer sa victoire. Ça, c'est vrai. Ben, mais les scénarios qui pointe à l'horizon, ça va être très compliqué. Parce que la communauté internationale est hypocrite, l'armée n'est pas républicaine, la police n'est pas républicaine, la gendarmerie n'est pas républicaine, la foule sur laquelle M. Sielou peut compter est abattue à bout portant à toutes les manifestations, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai dit que en faisant une bonne lecture, on risque de tomber dans le même scénario qu'après la mort de l'ancien Conté. Ce sont des hypothèses. Ça ne veut pas dire que j'ai changé de camp, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il faudrait que ce soit clair pour les uns et les autres. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens, dire ce qu'ils veulent entendre chaque fois. Ce n'est pas ça. Il faut dire la vérité. Ouais. Voilà. Et si c'est à reprendre, je vais redire encore aujourd'hui qu'après Alpha, il y aura une transition parce que on n'a pas une armée républicaine qui va donner le pouvoir à M. Sylvain Delengaldo. Alors, Mangian, on va attaquer le sujet pour ne pas perdre le temps là-dessus, quoi. Alors, évidemment, je voudrais,
Évidemment, par rapport à l'agression qui s'est passée hier concernant ta personne physique et ta personne morale, en plus de ça, nous allons aborder ce sujet de la maîtresse d'Alpha Condé, le retour d'Alpha Condé qui sera en amont le troisième sujet. Alors, nous allons d'abord toucher au point essentiel. Il dit que le son n'est pas bon. Non, tous ceux qui disent que le son n'est pas bon le plus souvent, c'est les auteurs. Ah bon? Ils disent souvent pour nous emmerder. Okay. Alors, mesdames et messieurs, dites-nous si le son est bon. Si le son est bon, dites-nous s'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens qui... Ben voilà, qui peuvent le dire pour nous distraire. Exactement. Donc, dites-nous si le son est bon. On continue rapidement, quoi, s'il vous plaît. Bah, ils disent que c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Exactement, c'est des emmerdeurs. Alors, Madian, nous voulons une explication brève et cohérente par rapport à ce qui s'est passé hier entre toi et ces agresseurs qui vous ont attaqué, qui t'ont agressé du moins. Donc, dites-nous réellement qu'est-ce qui s'est passé au fait. Alors, je vais être très rapide. Je remercie d'abord les millions de Guinéens qui m'ont adressé des messages, des personnes anonymes comme des personnes connues, qui m'ont adressé des messages de compassion, de sympathie. J'en ai été très touché. Ma famille également. Et donc, nous vous disons à tous, grand merci pour ce soutien. Mais c'est pour vous dire que cette tentative d'intimidation ne m'a nullement ébranlé. On va continuer le combat. On va continuer le combat, et parce que c'est un combat noble, et que les uns et les autres soient rassurés que moi, Mandjan, je ne suis pas M. Thibou Camara, parce que qui vomit et qui ravale. Non. J'ai déjà vomi M. Alpha Condé, je ne vais jamais ravaler. Si je le voulais, je serais rentré en Guinée. Voilà. Et je ne vais jamais présenter des excuses à M. Alpha Condé, parce que tout le problème, c'est là-bas. C'est par ça qu'il a commencé. Donc, que les uns et les autres soient convaincus que je ne suis pas M. Thibou Camara, ni les autres. Sinon, depuis Dakar, je serais reparti en Guinée. Mmh. Voilà, parce que je ne vais jamais présenter des excuses. Je dis bien jamais. Il faut ne fais pas attention. Voilà. Alors, donc, je vais être tout droit au but. Hier, avant d'abord hier, il y a quelques jours, si je ne m'abuse, une dizaine de jours comme ça, mon frère et ami, mon confrère Youssouf Boundoussila, l'un des responsables du site d'information en Guinée News, était à Paris. Mm-hmm. Il m'a invité à aller prendre un plat africain guinéen au restaurant Fouta Diallon avec lui. Mm-hmm. Sur place, j'ai trouvé l'un de mes agresseurs d'hier. Ouais. Et donc, je me permets de dire son nom parce que toutes les preuves sont établies déjà. Les vidéos ont prouvé. La RTP a mis les vidéos à la disposition de la police, que ce soit à la station de Philippe Auguste ou à la station de Alexandre Dumas. Mm-hmm. Et donc, les images sont déjà disponibles lorsque j'ai donné les heures et j'ai décrit les individus. Ouais. Et au-delà de ça, moi-même, j'avais reconnu la personne sur le quai, parce qu'on est resté à deux sur le quai. Donc, encore à part ça, hier, là où il est venu me chercher, les jeunes Guinéens, là aussi, se disent prêts à témoigner devant la justice. Et j'ai au moins plus de 10 Guinéens qui sont prêts à témoigner, qui hier, à Château Rouge, ils étaient à ma recherche. Et ils étaient arrêtés derrière moi. Mais ils ont dit que non, qu'ils attendent que je bouge. Donc, et hier, lorsque j'ai été attaqué, j'ai eu le courage d'appeler la personne, avant même d'aller à la police. Je dis, monsieur, il n'a pas décroché. Je lui ai laissé un texto. Je lui ai dit, je vous ai bien reconnu dans le lot. Et c'est vous qui avez piloté l'équipe. Je lui ai envoyé le message. Mm-hmm. Alors, quand bien même, la police m'a dit qu'il ne fallait pas le faire que parce qu'il peut se cacher avec ça. Mais aujourd'hui, la police m'autorise maintenant à dire parce que toutes les preuves sont établies. Et des témoins sont là, oculaires, à Château Rouge, et qui l'ont vu là-bas hier.
Et donc, les noms sont clairs. Le premier, c'est M. Jordan, qui n'est pas à sa première tentative contre moi. Tous les Guinéens le connaissent ici, c'est un délinquant. Et donc, sans papier. Mmh. Sans papier. Et donc, il m'a volé une fois 300 euros dans le salon de M. Ali Assila. M. Ali Assila, si il est à l'écoute, il peut témoigner. Ouais. Donc, c'est l'épouse de M. Ali Assila qui m'a... C'était pour envoyer par Orange Money parce qu'il n'avait pas cette application sur son téléphone. Mm-hmm. Donc, j'étais en train de suivre un match de football, comme je suis fan de Real. J'étais en train de suivre un match de football. Et donc, quand il m'a donné l'enveloppe, je l'ai mise dans la poche droite de mon manteau sans, sans refermer la poche, la pochette. Mm-hmm. Alors, donc, c'est ainsi que le monsieur, il était assis derrière moi avec son ami. Ouais. Donc, parce que je suis surexcité quand Real marque, ils en ont profité pour soutirer l'enveloppe. Sauf que ils ne pouvaient pas passer. On est resté dedans. On était trois. Ben, il y a vol. On est trois. C'est très simple. Bien le quatrième, c'était l'un des coiffeurs qui était même loin de nous. Et donc, on a tout fait pour que on fouille tout le monde. Il n'a pas accepté. Et comme il est plus fort que moi, il n'a pas accepté. J'ai appelé Alia. J'ai dit que personne ne bouge, sinon j'appelle la police. Mm-hmm. Donc, il est monté dans les toilettes. J'ai dit non, il ne devait pas bouger. Et comme je ne pouvais pas le retenir, il est plus fort que moi. Il est monté dans les toilettes. Je crois qu'il a dû mettre l'argent dans son slip parce que Alia est venu, il a enlevé ses chaussettes et consorts. Il a fait des trucs, mais tout le monde... Parce que personne n'a bougé du salon. Personne. Ben, c'était terre à terre. Et donc, ben, j'ai voulu porter plainte. Ce sont nos frères, les sages, de Guinée qui se réunissaient à l'époque au café La Violette où je l'ai connu lui-même qui m'ont dissuadé et qui m'ont dit de ne pas porter plainte, qu'on est tous des Guinéens, il n'a pas de papier, il faut le laisser tomber, bon, il se débrouille, donc il faut pas lui pourrir la vie, mais cette fois-ci personne ne pourra m'arrêter parce que là les preuves sont là, les vidéos sont là, c'est clair et net, et moi-même je l'ai vu sur le quai, il m'a appelé. Donc là je ne vais pas cette fois-ci, je ne vais écouter personne. J'ai beaucoup de respect pour ces sages-là parce qu'ils m'ont beaucoup conseillé là-bas. Ils ont été très utiles pour moi. Je leur tire le chapeau. J'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect pour mes frères du café La Violette de Strasbourg-Saint-Denis. Mais je les prie fraternellement de ne pas se mêler de ce dossier parce que ce sont des gens qui ont attenté à ma vie. Ouais. Donc, je les avertis déjà que c'est parce que je suis vraiment très respectueux du droit d'aînesse qui caractérise notre société. Ouais. Et donc, je prie mes grands frères, mes papas qui sont à La Violette de ne pas se mêler de cette affaire. Toutes les preuves sont réunies, les vidéos sont réunies, et donc, sincèrement, ça suffit. La deuxième personne, il s'appelle Oudédé. Oudédé. Et la troisième personne s'appelle Asmiou. Il peut prendre un nom, je ne sais pas trop, mais c'est avec ce nom qu'il m'a abordé hier, parce que c'est lui qui m'a collé. C'est la quatrième personne qui a porté la main sur moi, le fils de Guéné Kaba, que je ne connais pas son nom. Parce que même les gens de Château Rouge aussi ne le connaissent pas. C'est pas quelqu'un qui est connu du grand public guinéen. Ouais. C'est un jeune, hein, il n'est pas aussi âgé. Il est très jeune. Ouais. Il est très jeune. Il doit être dans les vingtaines. Donc, il est très jeune. Alors, donc, il n'est pas du tout connu dans les milieux guinéens. Mais quand même, il a les mêmes traits que sa maman. Ouais. Voilà. Donc, et la preuve aussi, il m'a dit tout simplement, c'est toi qui insultes ma maman et le président Alpha Condé. Et là, tu ne vas plus le répéter. D'accord. Voilà. Donc, tout est parti de Château Rouge. Je veux reconstituer les faits. Ouais. Tout est parti de Château Rouge. Et je disais que lorsque je suis venu à Strasbourg-Saint-Denis, au café, au restaurant Fouta Dialon, pour voir mon frère et ami Boundou, c'est là-bas que Jordan m'a demandé mon adresse. D'accord. Il m'a dit, frère, il faut que tu m'aides dans mes démarches administratives. Jusqu'ici, je n'ai pas mes papiers. Comme le plus souvent, j'aide ici les jeunes Guinéens dans leurs démarches administratives. Et c'est officiel parce que j'ai fait une formation. Je ne m'en cache pas. L'OFPRA, c'est que j'accompagne des gens. La CNDA, c'est que j'accompagne des gens. Je ne m'en cache pas parce que j'ai fait une formation là-dessus. Il n'y a aucun souci. J'ai un diplôme d'accompagnement des demandeurs d'asile. Alors, donc, ben, pour moi, il était sincère. Comme d'autres. Ce jour, je l'ai trouvé au café là-bas. Il m'a dit, bon, j'ai dit, tu peux me laisser ton adresse, et si tu as une carte de visite, ben, je lui ai laissé ma carte de visite. Sur ma carte de visite, il y a mon domicile,
et mon lieu de travail aussi, qui est à Alexandre Dumas, là où je reçois les gens, et mon domicile, lui, il est à côté de Philippe Auguste. Donc, je suis à juxtaposition entre les deux stations de métro, Philippe Auguste et Alexandre Dumas sur la ligne 2. Donc, je lui ai laissé mon adresse, mais sur l'adresse, il est mentionné qu'il faut descendre à Alexandre Dumas. Quand bien même, je suis plus proche de Philippe Auguste que de Alexandre Dumas. Mais c'est comme c'est de ce côté que je reçois les gens, je ne reçois pas à la maison. C'est pour ça que j'ai mis l'adresse là. Le cyber où je reçois les gens, j'ai mis l'adresse là. D'accord. Donc, c'est ce qu'eux, ils ont pris. Ça fait une dizaine de jours quand il m'a pris ma pièce, ma carte de visite. Mm-hmm. Alors, ils sont venus, je crois, à la maison, peut-être, ils ne m'ont pas trouvé. Après, il m'a dit, mais grand, je suis venu chez toi, j'ai appelé, tu n'as pas décroché. J'ai dit, ah bon? Mais je n'ai pas vu ton appel ou bien je ne connaissais pas ton numéro alors. Ouais. Alors, donc, ça fait 3 jours, ils étaient en train de me chercher à Château Rouge, mais moi, je ne savais pas. Ce sont les jeunes-là qui m'ont dit aujourd'hui, le grain où la plupart des Guinéens se retrouvent le soir pour parler de politique. Sans animosité, l'opposition est là, la mouvance est là, on discute entre nous. Il y a même des travailleurs de l'ambassade qui viennent là-bas. Ouais. On discute entre nous sans animosité, parce que c'est des intellectuels qui viennent là-bas. Alors, c'est pas des abrutis comme eux. Donc, ça fait 3 jours, ils me cherchaient là-bas. Moi, je ne savais pas. Le nommé Assimou m'a appelé avant-hier pour me dire, ah, grand frère, je vous ai vu à Château Rouge l'autre jour, vous m'avez donné votre adresse, mais là, j'ai dit, mais venez à la maison. Il dit, bon, on va voir ça parce que je n'arrive pas à retrouver la maison, mais est-ce que vous serez aujourd'hui encore à l'endroit où vous venez souvent? Peut-être qu'ils sont venus une fois, deux fois à la maison, ils ont pensé que je les ai dribblés avec l'adresse. Mm-hmm. Mais comme c'est à cet endroit-là qu'il est plus facile de me voir les après-midi après le boulot, donc, c'est là-bas qu'ils ont visé. Alors, ils sont venus hier, effectivement, j'avais acheté des ailes de poulet, j'étais en train de manger, d'autres Guinéens aussi étaient là, autour de leur plat, plus d'une dizaine de jeunes Guinéens qui mangeaient même en africain, en guinéen, autour d'un grand plat, ils ont fait un plateau, ils ont mis les ailes dedans, ils mangeaient dans un grand plateau. Moi, j'étais à côté avec un de mes petits qui s'appelle Sadio Camara. Donc, alors, nous aussi, on était assis, mais Sadio n'a pas voulu manger. Moi, j'ai mangé avant de rentrer parce que j'avais un live à faire à 22h. Ils étaient arrêtés derrière moi. Moi, je ne savais pas. Parce que Jordan sait que si je le vois, ben, je vais le reconnaître. Parce que c'est le seul que je le connaissais. Mais il y a la personne, Oudédé, qui était en chemisette blanche, manche courte. Lui, je l'ai vu en train de manger à l'intérieur du bar. Et il me fixait. Mais pour moi, peut-être que parfois, comme les gens sont curieux de me rencontrer, peut-être que c'était une curiosité, bon, de dire, bon, j'ai vu Mandian, j'ai pensé comme ça, hein, sans, avec beaucoup de modestie, hein, je m'excuse si je heurte la sensibilité des gens, mais j'ai pensé comme ça, que peut-être c'est un admirateur, j'ai pensé comme ça, mais je crois qu'il était en train de me dévisager pour mieux, pour ne pas me rater. Alors, le gars à qui lui aussi, Assimou, il avait demandé à ces jeunes-là qui peut l'aider à écrire dans cette démarche administrative. Mais c'était mieux. Je pense que c'était mieux de le voir ici que d'attendre. Il fait nuit. Et puis, je venais de prêter un trépied à quelqu'un parce que j'avais oublié mon trépied dans le métro il y a 2 jours pour faire les lives, quoi. Donc, j'avais demandé à un autre frère, Mohamed Souma, de me prêter son trépied parce que lui aussi, il avait ça pour faire des directs, quoi. Donc, lui, il est allé chercher son trépied à la maison sur son scooter, sur sa moto. Je l'attendais là et aussi, ils sont en train de me filer. Donc, comme ils m'ont connu déjà, ils ont fini de m'identifier. Les autres ont traversé. C'est Assimou qui m'a collé, qui m'a dit, mais il m'a pas parlé jusqu'à ce que j'ai bougé avec Sadio. On bouge, on fait quelques 10 pas, le voilà qui aile mon nom. Il dit, Monsieur Sidibé, j'ai dit oui. J'ai dit, vous c'est qui? Il me dit, non, c'est moi qui vous ai appelé au téléphone l'autre jour, c'est moi, Assimou. Alors, il se met à raconter de quoi. J'ai dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu veux réellement? Il allait de coq à l'âne. Moi-même, je comprenais que là, il veut rien dire. Il veut seulement me retenir et voir si Sadio va me quitter pour qu'il puisse opérer leur sale besogne. Donc, j'ai continué avec Sadio, puisque j'avais des bagages, je venais de faire des courses. J'ai continué avec Sadio jusqu'à la station Barbès, à pied. Et le gars, il m'a collé. Les autres étaient de l'autre côté, parce que le jeune, je l'ai reconnu, manche courte là, je l'ai reconnu, Oudédé, il était de l'autre côté de la route.
Alors, nous étions à droite, et ils étaient à gauche, carrément de l'autre côté. Donc, nous sommes allés jusqu'à Barbès. Le gars m'a collé toujours. Il ne veut pas partir. J'ai dit, mais tu pars où? J'ai dit, moi, je prends la ligne 2 ici. Il dit, bon, moi-même, je prends la ligne 2. J'ai dit, ah bon? Mais tu habites où? Il ne met pas de Neuilly Plaisance. Neuilly Plaisance, ça, c'est le RRA. Ce n'est pas la ligne, ce n'est pas la ligne B, il y a la ligne 2. J'ai dit, mais monsieur, ce n'est pas ici. Il dit, non, bon, je vais prendre la ligne 2. Après, je vais venir à Étoile. Ben, tu vas à Étoile, tu t'éloignes encore. Il dit qu'il va à Étoile, après, il va. Je dis, bon, d'accord, comme tu veux. Il dit qu'il va dans l'autre sens. Et il prend encore l'escalator avec moi, dans le sens opposé de là où il va. Je ne comprends pas. On monte ensemble, on reste sur le quai. Le petit m'accompagnait aussi, Sadio sur le quai. Bon, comme ils ont vu que le petit me collait, Sadio ne voulait pas quitter, parce que Sadio a voulu que j'entre d'abord dans le métro pour que lui, il parte, parce qu'il devait prendre la ligne 4. Ouais. Donc, ils m'ont laissé rentrer. Et après, maintenant, comme ils ont vu que ben, je ne restais pas sur le quai, j'ai pris le prix. Lui qui me disait qu'il va dans l'autre sens, je l'ai toujours dit, mais va traverser. Il n'a pas voulu. Quand je suis monté, il est monté aussi. Ben, je n'ai pas compris. Bon, de toute façon, jusque-là, je n'étais pas du tout... Je n'avais aucune appréhension. Je ne doutais de rien. Aucune suspicion. Ouais, je ne me doutais de rien. Alors, on continue. On vient jusqu'à Philippe Auguste. Parce que eux, ils s'attendaient que je vais descendre à Alexandre Dumas. Après Philippe Auguste, c'est Alexandre Dumas. Alors, donc, mais Philippe Auguste est à quelques 300, 400 mètres de mon domicile, alors que l'autre, c'est à 800 mètres. Donc, c'est plus loin. Mais sur la carte de visite, c'est Alexandre Dumas, comme je l'ai dit tantôt. Alors, on arrive à Philippe Auguste, je descends. Et quand je descends, voilà Jordan qui m'appelle. Mandjan, Mandjan, j'ai tourné le dos. Ben, ses camarades ne suivaient pas. Eux, ils étaient concentrés sur leur téléphone. Après, il a dit, il est descendu. Mais moi, je ne pensais même pas que c'est moi. En tout cas, il m'a appelé, j'ai tourné, mais il m'a tourné le dos. Mais moi, je l'ai déjà reconnu par ses locks. Parce que là, ça fait 4 ans, je le vois quand même. Même de dos, je dois le reconnaître. La voix aussi. Alors, donc, il est resté seul sur le quai, tellement que donc c'était visible. Le train, le métro venait de bouger, il est seul sur le quai. Là, c'était visible parce que ses camarades n'ont pas pu descendre. Et entre-temps, le métro s'est refermé. Voilà. Au moment où il leur disait de descendre, lui, il est déjà descendu et le métro s'est refermé. Et il est allé, le métro est allé avec ses camarades. Il est resté seul sur le quai. Et moi, il était à un bout et moi, j'étais à l'autre bout. D'accord. Quand même, je l'ai reconnu. Un problème de connexion. Je l'ai reconnu. Aussi de l'appeler pour la... J'ai monté la marche, les marches, je suis allé. Mais comme je me doutais de rien, j'étais en train de faire une publication pour dire qu'à 22h pile, je serai sur la page Adia Alimatu Oreoelia International. C'est ce que j'étais en train d'écrire. Hein, et j'ai même publié. Voilà, j'ai publié lorsque j'étais à quelques 30 mètres de chez moi. J'avais fini de publier et sur ma page chose, et puis sur Twitter, que je serai sur cette page. Ça va se passer. Je viens, je prends mon badge. Parce que pour rentrer chez nous, il faut badger. Voilà, on n'a pas de code, c'est des badges. Alors, je viens, je badge. Toi, tu es venu chez moi, tu connais. Donc, je badge, je tente de tirer la porte. Je badge avec la main droite, je tente de tirer la porte avec la main gauche. Paf! Quelqu'un me gifle derrière. Et là, j'étais troublé. J'ai perdu ma clé qui est tombée. Il a ramassé la clé, il est remonté. Parce qu'il y a 3 marches pour sortir de chez nous. Donc, il a monté les 3 marches, il est allé s'arrêter. Mais je ne pouvais pas le laisser partir avec ma clé, je l'ai suivi. Et donc, comme j'avais des bagages en main, j'ai déposé les bagages sur le capot de la voiture qui était stationnée là. Et puis, j'ai bien arrangé mon sac. Les gars, Oudede était dans mon dos, je ne le savais pas. Jordan, lui, il a dévancé, il est allé à Alexandre Dumas. Donc, ils se sont positionnés un peu partout, quoi. J'étais encerclé. Alors, Oudede était dans mon dos, je ne le savais pas. Donc, j'ai bien rangé mon sac à dos pour pouvoir engager une course-poursuite contre celui qui a pris ma clé, c'est-à-dire le fils de Guénin. Parce que c'est lui qui m'a giflé. Il m'a dit, bon, écoute, c'est toi qui insultes ma maman et M. Alpha Condé. Il n'a pas dit le président, hein. Il a dit M. Alpha Condé. Je m'excuse, il n'a pas dit président. Il a dit, c'est toi qui insultes ma maman et M. Alpha Condé. Vous savez que les enfants nés en Europe, ils n'appellent jamais leur père adoptif ou bien leur beau-père papa. Voilà. Donc, j'ai compris par là directement que, oui, c'est vrai, c'est un enfant qui est né en Europe.
Voilà. Il dit donc, c'est toi qui insultes ma maman. Ici, c'est chez nous. Il va dire, c'est toi qui insultes ma maman et mon père. C'est pas ce qu'il a dit. Voilà. Les enfants nés ici n'appellent jamais le mari, leur beau-père, papa. C'est rare, en tout cas. Oui, c'est très rare. Donc, dès qu'il a dit, c'est toi qui insultes ma maman et M. Alpha Condé, c'est toi qui insultes ma maman et M. Alpha Condé, il m'a giflé. Et puis, j'ai compris que là, ben, ces derniers temps, je ne parle pas d'une autre femme. Et moi, c'est rare de parler même des femmes guinéennes. Ouais. Je ne parle que, je ne parle que de Guinée et de son mari. Mm-hmm. Alors, donc, je cours après lui. On continue. Mais dans mon dos, il y a Oudédé. Ouais. Alors, je continue. Je commence à le filmer. J'engage ma vidéo chose. Je commence à faire des photos dans son dos. Oudédé derrière moi lui dit, il est en train de te filmer, il est en train de te filmer. Je me tourne vers lui, je dis, ah, vous êtes ensemble. Il me dit, non, moi je veux t'aider seulement. Hein. Je lui dis, pour ne pas qu'il fuit, que tu es en train de le filmer, c'est inutile de fuir parce que tu l'as filmé déjà. Je dis, Alors, il me dit, allons, montre-le-moi. Il est allé où? Allons. Ben, déjà, je suis un journaliste d'investigation. Parce qu'il voudrait m'entraîner pour que je quitte le milieu où il y a des gens. Les restaurants et consorts, les lieux animés là, parce que la rue était déserte. Donc, il voulait m'amener vers son ami. Après, maintenant, arrivé devant là-bas, moi, je vais penser que c'est mon protecteur. Eh bien, ils allaient m'abattre là-bas. Donc, quand il m'a dit, allons, j'ai dit, non, le voilà là-bas. Si vous voulez aller, il faut aller. J'ai dit, je suis là, moi, je ne bouge pas. Il y a un jeune Malien qui était de passage, hein, qui m'a dit, écoute, qu'est-ce qu'ils vous ont rien pris? J'ai dit, si, il a pris ma clé. Il dit, le voilà qui part là-bas. Il dit, ah, il faut pas aller. Laisse la clé, c'est ta vie vaut mieux que la clé. Laisse la clé, va signaler, ils vont surveiller ta porte, mais il faut pas aller derrière lui. Pendant ce temps, lui me dit, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai dit, mais monsieur, vous êtes ensemble, pourquoi tu me poses cette question? Après, il a appelé quelqu'un. Je crois que c'est le même monsieur qui l'a appelé. Il dit, ah, il t'a filmé. Hein. Le monsieur est revenu encore vers moi. Alors, quand il est revenu vers moi, j'ai fait des pas en arrière. Je reculais maintenant parce que je cherchais ma clé de toute façon. Je reculais pour aller vers le restaurant. Donc, le kebab qui est juste à côté du cyber là. Donc, tu connais le cyber, non? Le kebab qui est à côté. Voilà, j'étais en face du kebab. Tous les clients du kebab, ils sont témoins de la scène. Donc, je reculais pour qu'il y ait des témoins. Et pour que, parce que tout, il y a des caméras partout devant les boutiques, je ne devais pas être dans un champ neutre. Voilà. Donc, je suis venu vers un champ de caméras. J'ai reculé. Et c'est là-bas. Quand il venait vers moi encore, je l'ai filmé. J'ai pris sa photo de face maintenant. J'ai pris sa photo de face. Il est venu vers moi. J'ai dit, donne-moi ma clé. Mais il y avait des gens. Paf! Il m'a donné un coup sur l'oreille gauche. Et après, tu supprimes ma photo. Mais j'avais empoché rapidement le téléphone. Donc, comme il ne pouvait pas se jeter sur moi, il y avait des témoins, il y avait des gens. Il m'a donné un coup sur l'oreille. Il est parti. Voilà les deux coups qu'il m'a administrés. Donc, en traversant maintenant, je le vois traverser maintenant avec celui qui se présentait comme un protecteur à moi. Ils ont couru ensemble. Il y a même un véhicule qui a failli renverser mon agresseur parce qu'il ne regardait pas et il fuyait les témoins. Donc, qu'est-ce que je fais? Eux, ils ont traversé, ils sont allés du côté de la pharmacie. Moi, je suis resté à droite, comme si je revenais à la maison. J'ai traversé les traits blancs de piétons, mais entre les traits blancs de piétons là et la bouche de métro, il y a une boutique, un point, un kiosque à journaux qui masque. Donc, Jordan était arrêté derrière le kiosque, juste à la bouche de métro. Donc, la personne qui vient dans son dos, il ne pouvait pas le voir. Il ne pouvait pas la voir. Donc, moi, je suis venu comme ça, en courant derrière les autres. Eux ont contourné le kiosque. Moi, je suis passé par le côté de l'entrée de la bouche de métro. Moi, je suis passé par l'entrée. Paf, je vois Jordan. Je dis, Jordan, je t'ai reconnu. Ils ont couru ensemble, ils sont descendus dans le tunnel. Et je suis allé à l'accueil là-bas, parce qu'ils ont vite passé la barrière. Je dis à l'accueil que j'ai des agresseurs ici, mais je ne peux pas aller. Il dit, bon, voilà ce qu'on peut faire. Il y a la vidéo là-bas, mais ne va pas derrière eux. Exactement. Il faut remonter même. On ne sait pas trop s'il y a d'autres dehors. Il m'a dit de remonter vite et de ne pas être seul. D'accord. Celui qui était à l'accueil. C'était un black, mais bon, je sais pas si c'est un Africain ou bien un entier, mais c'était un black. Voilà. Donc, il m'a dit de remonter vite, parce qu'il n'y a aucun moyen. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça. Sur le quai, déjà, vous savez qu'il y a les caméras. Donc, bien aujourd'hui, la police a reconstitué les choses.
ils sont allés recueillir les images de père de Philippe Auguste, ils sont allés recueillir les images de Alexandre Dumas. Adama aussi, où je réside, a accepté de mettre les images. Ils n'avaient même pas le choix. Quand la police demande, on donne. Donc, on appelle ça la réquisition. Donc, ils sont venus avec la réquisition. Aujourd'hui, ils ont soustrait les images et il n'y a plus de confusion. C'est pour ça que je me permets de dire les noms. Parce et que la photo que toi-même tu as prise, la police détient aussi la même photo. La police a ça. Quand mon oreille aussi était enflée, voilà. C'est cette photo. C'est lui qui m'a agressé. Ouais. Voilà. C'est cette photo. Après, nous allons publier sur la page. Vous allez voir. Ça, c'est le fils de Kenekaba. Voilà. C'est juste là. La photo est là. Et vous voyez comment il est habillé. Voilà. C'est lui qui est là. Il portait cette chaussure. Vous voyez? Et il avait ce téléphone. Je pense que c'est iPhone Pro Max, 12 Pro Max. Ouais. Et il avait... Attendez. Vous allez voir très bien. Il avait... Et il se cachait même le visage avec le masque, comme il pouvait. Et là, il avait enlevé le masque à un moment donné, mais quand l'autre lui a dit qu'il est en train de le prendre en image, donc il était en train de remettre son masque. Mais j'avais déjà fait une ou deux captures. Voilà. Donc, l'image est là. Et après, nous allons publier ça. Nous allons donner ça à tous les blogueurs possibles. Et je vais être bref maintenant, parce que bientôt. Et donc, aujourd'hui, quand je suis un journaliste d'investigation, quand quelque chose vous arrive dans un endroit, il faut toujours retourner le lendemain en prenant des précautions. Il faut toujours retourner pour voir l'investigation. Il faut l'approfondir. Il ne faut pas s'arrêter au premier jet. Donc, je retourne aujourd'hui au grain là-bas, là où on a mangé hier, tout. Je dis, moi, je me suis fait agresser hier. J'ai dit, j'ai même reconnu un de mes agresseurs qui a mangé ici. J'ai dit, je ne sais pas si vous les connaissez. Il dit, c'est pas Oudédé. Tu parles de Oudédé. Non, ils te cherchaient ici. Hein. Ils t'ont attendu même quand tu mangeais, ils étaient à distance. J'ai dit, ah bon? Il dit, non, nous, on est prêts à témoigner parce que ça fait 3 jours, on te demande ici. Ils viennent, mais ils ne te trouvent pas. Ils viennent, ils ne te trouvent pas, ils repartent. Mais ils sont toujours à con. C'est toujours Jordan qui les guide. Il dit, donc, on connaît Oudédé, on connaît Jordan, mais le jeune avec lequel ils étaient, nous ne le connaissons pas. Parce que le jeune, il n'est pas connu du grand public, comme je le disais tantôt. Il n'est connu de personne là-bas. Pourtant, il avait ses camarades d'âge là-bas, mais personne ne le connaît là-bas. D'accord. Voilà. Et ils ont dit non, mais même sa manière de s'habiller, ils ont su que ce n'est pas un pauvre type. Parce que les 3 jours-là, les tenues qu'il porte, les téléphones de marque qu'il tenait, ils ont su que ce n'était pas n'importe qui. C'est quand ils ont vu ma publication, ils ont dit, ah bon? Donc, les gens l'attendaient mendiant pour l'agresser hier. Ils étaient là, ça fait 3 jours, ils le cherchaient ici. Eux aussi, ils disent qu'ils sont prêts à témoigner. D'accord. Alors, donc, le lundi, je viendrai avec eux à la police pour leur déposition. Voilà. Alors, ils sont très choqués. Ils sont très choqués. Évidemment. C'est choquant, c'est plus que choquant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a des gens parmi vous, parmi les 2149 personnes qui nous regardent là, s'il y a des gens parmi vous qui les connaissent, il faut que vous les informez que ce n'est pas la peine de fuir. Ils ont déjà la police. C'est fini. J'ai été enregistré à la police comme opposant au régime guinéen et je bénéficie d'une protection internationale. Ils ont vu tous les papiers. Je suis citoyen d'honneur de Paris, signé de Madame le maire de Paris. J'ai sorti tous les documents hier qui prouvent, parce que là où je loge encore, c'est un appartement qui appartient à la mairie de Paris. Parce que moi, j'étais à la maison des journalistes de Paris. Lorsque j'ai eu les papiers, c'est la mairie de Paris qui m'a logé ici. C'est vrai que je paye, mais c'est la mairie de Paris qui m'a envoyé. Donc, la chambre appartient à la mairie de Paris. Parce que tout simplement, la mairie de Paris est en partenariat avec la maison des journalistes de Paris. Donc, je donne des cours jusqu'à ce jour dans les lycées français avec la collaboration entre la mairie de Paris et la maison des journalistes. Donc, c'est ce partenariat qui m'a permis d'avoir ce logement. Alors, la mairie va être informée. Je vais informer la mairie par écrit. Et puis, je vais informer aussi, j'ai déjà appelé la maison des journalistes. Ils m'ont dit de les saisir par écrit. Je vais le faire aussi le lundi. J'ai été à l'hôpital aujourd'hui, l'hôpital Dieu, où les agressions sont enregistrées. La police vous envoie là-bas, ils font le diagnostic. Et puis, vous revenez.
Et donc, tout le diagnostic est fait. Je suis arrivé là-bas avec l'oreille enflée. Les policiers aussi ont vu hier. J'avais un œdème à l'oreille gauche. Et puis, ici aussi, tout était enflé. Et juste que j'ai difficilement passé la nuit parce que là, j'avais de graves douleurs. Je ne pouvais pas accéder non plus à mon logement parce que ils ont emporté ma clé. Et la scène s'est passée vers 21h47 lorsque je m'apprêtais à monter pour faire ce live. D'accord. Donc, toutes les dispositions sont prises. La police a déjà les vidéos. Les témoins aussi à Château Rouge sont prêts à témoigner. Il a fallu que j'aille là-bas aujourd'hui, calmement, et puis accompagné de deux, trois personnes. Et puis, j'ai évoqué le sujet. Et ben, tout de suite, j'ai compris ce qui s'est passé, que depuis 3 jours, ils étaient à mes trousses. Et donc, j'ai compris directement, j'ai fait le lien. Pourquoi Jordan m'a demandé mon adresse lorsque je suis allé voir Boundou à Strasbourg-Saint-Denis, au restaurant Fouta. Okay, voilà, donc ce dossier, c'est ce qu'on peut dire là-dessus. Les enquêtes suivent leur cours normal et tout se passe bien. Et puis, parce que d'habitude, les policiers, ils prennent les dossiers, ils les classent ici. Mais je crois que ça ne pourrait pas être le cas parce que la pression est forte. J'ai déjà pris un avocat. J'ai un avocat déjà dédié ici en France, Maître Henri Guilmoto. Et donc, il est déjà saisi et il va faire le boulot parce que déjà, on a des personnes, les vidéos nous ont permis. J'étais aujourd'hui avec mon avocat et la police. D'accord. Donc, les vidéos sont claires là-dessus. Il n'y a plus de doute. Et moi-même, j'ai reconnu physiquement Jordan. Les autres aussi qui l'ont vu derrière moi hier, ils sont prêts à aller témoigner. Toutes les preuves sont là. Donc, on ne porte pas plainte contre X. On porte plainte maintenant contre les personnes connues. Exactement. C'est eux qui vont, amener les autres. Bien sûr. Alors, s'ils ont été payés pour t'agresser, ils le diront. C'est ce que j'ai dit la fois dernière, que ce dossier n'est pas un petit dossier. Alors, je pense que le monsieur, tous ceux qui sont... Ce que j'oublie, la police m'a demandé pourquoi est-ce que ces jeunes-là peuvent se permettre, qu'est-ce qu'ils m'opposent à la maman ou bien au papa de l'enfant. Je dis, ben, je suis actuellement sur un dossier de drogue dans lequel sa maman est impliquée. Je dis donc, au lieu de porter plainte contre moi pour que j'exhibe les preuves, non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Et donc, ils m'ont dit, est-ce que j'ai les preuves? J'ai dit, oui, j'ai les preuves. Et donc, je suis retourné ce matin. Quand je suis venu à mon logement, ils ont pris la clé secours. Ils ont remplacé la serrure déjà. La serrure est complètement remplacée par Adoma. Et donc, après, j'ai pris le document. Je vais même l'enlever maintenant dans ma chambre. Le rapport dont on a longtemps parlé tout ce temps-là, je me disais que j'avais le publié au compte-goutte. Mais j'étais obligé de fournir l'intégralité ce matin à la police. Ils ont vu comment est-ce que l'ONGC condamne madame la première dame. Donc, moi, je n'avais pas dit Guinée Kaba. La première dame est une institution. J'ai le droit de la critiquer. Et donc, j'ai mis le rapport de l'ONGC à la disposition de la police française. D'accord. Parce que c'est tous ceux qui sont venus. On est venus ensemble à la maison. Ils ont regardé la maison, tout. Et j'ai pris le document. On est allé photocopier ensemble. C'est eux qui ont payé même les frais de photocopie. Et je leur ai donné. Ils sont partis avec. J'ai dit que jusqu'ici, je n'avais pas publié le rapport. Ils m'ont dit de ne pas le publier, qu'ils vont l'exploiter. Ils vont faire leurs investigations aussi. D'accord. Alors, ça me fait rire parce que d'aucuns ont pensé que c'était des simples mots, c'était des mots vents. Nous n'allons pas tarder sur ce dossier, M. Banja. On va s'intéresser maintenant au deuxième sujet, qui est un sujet aussi épineux, concernant cette maîtresse d'Alpha Condé, en même temps cousine de la deuxième femme de M. Ségou Daden Diallo, et son jeu machiavélique, le jeu satanique qu'elle s'est livrée dans ces derniers temps entre le parti l'UFDG, l'ANAD et la mouvance. Alors nous voudrions que vous nous parliez un peu de ça et les dangers qui gâtent évidemment M. Ségou Daden Diallo, et s'il y a des conseils à le promulguer, nous allons le promulguer ensemble. Oui, c'est un dossier que je maîtrise parfaitement bien parce que je permets à madame, si elle est offusquée, à madame Ba, de porter plainte contre moi en Guinée ou en France. Ici, je répondrai parce que j'ai les preuves de mes affirmations. Ouais. Et elle sort non seulement avec monsieur Kapissé, elle sort avec monsieur Alpha Condé. Elle est déjà sortie avec Kassouri. Elle est sortie avec Thibou. Et puis, ces derniers temps, elle sort avec Alpha Condé, parce que moi, Alpha n'est pas mon président. Ouais. Elle sort avec Alpha Condé et Alpha Boubacar, qui était le chargé de com de l'UFDG, le responsable, et qui a démissionné. Et pour vous dire que cette femme, elle est bizarre,
en même temps que officiellement presque elle sort avec Alpha Bocar, à part le président, c'est Alpha Bocar qui est connu. Ouais. Mais en coulisses aussi derrière Aboubacar, Alpha Bocar, elle s'accroche au trésorier national. Vous voyez comment elle aime l'argent, trésorier national de et alors que les deux là sont des amis intimes. Ouais. J'ai les preuves, hein. Ben, ils peuvent porter plainte. Comme le trésorier national est fréquent en France, Alpha Bocar aussi, ils peuvent tous porter plainte, je répondrai. Parce que là, j'ai des preuves palpables. Mm-hmm. Ben, donc, c'est elle qui a débauché Alpha Bocar. Quand Alpha Bocar dit que non, la politique, il faut avoir d'abord de quoi manger, tout. C'est elle qui a débauché Alpha Bocar parce que elle est en train de faire croire à M. Alpha Condé qu'elle est capable de débaucher des cadres de l'UFDG qui peuvent rejoindre choses. Et c'est elle encore qui est en train de se battre. Je ne sais pas si ça va réussir ou pas, mais c'est elle qui est en train de se battre encore pour M. Selou Baldé, le député de l'Abbé. Parce que vous savez qu'elle est de l'Abbé et elle est l'une des filles de l'ancien imam paix à son âme de l'Abbé. Et il faut affirmer elle est de, aussi. Elle est de même mère, même père que l'actuel préfet de l'Abbé. Elle est de même mère, même père que l'actuel imam de l'Abbé. Mais elle est la demi-sœur de la deuxième épouse de M. Seludel Ngallo. Ils ont le même nom. Ils portent le nom de la même vieille, c'est-à-dire la maman de leur papa. Voilà. Leur tante. Ils portent, leur tante, voilà. Ils portent le nom de la même vieille. Il s'appelle Kadjatouba. Oui, Kadjatouba, toutes les deux. Mm-hmm. Donc, c'est une vengeance. C'est une rivalité. Comme je l'ai dit dans l'autre émission, je n'avais pas voulu rentrer dans les détails. J'ai dit que c'est une rivalité familiale. Mm-hmm. Donc, c'est une rivalité entre enfants de coépouses. Nous, on n'est pas là pour les opposer, mais le fait est là déjà. Et donc, elle fait tout pour... Il faut juste un instant, il faut affirmer que presque la quasi-totalité des éléments de la famille de cette femme sont pour aujourd'hui avec Alpha. Ils sont avec Alpha. Avec Alpha, oui. Sauf la femme de M. Seludel Ngallo et les enfants de sa maman peut-être qui sont de ce côté-là. Les autres, ils sont du RPG maintenant. Ouais. Alors, donc, comme je le disais tantôt, elle est en train vraiment de mettre les bâtons dans les roues de l'UFDG et de son président. Parce que tout simplement, l'épouse du président est sa demi-sœur. Alors, donc, elle a débauché Alpha Bocar, elle tente de débaucher le trésorier national, elle tente de débaucher M. Selou Baldé, l'ancien député. Je dis elle tente bien, hein, je pèse mes mots. Ouais. Elle est en train de tenter, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Mm-hmm. Alors, même la libération de nos prisonniers, elle en est pour quelque chose avec l'ambassade de France. Et qui sait même, Mandjan, juste permettez-moi, qui sait même si cette cousine que Seydou Dalé a épousée, qui sait même si c'est elle qui livre les informations précieuses de l'UFDG à cette autre cousine qui est maîtresse d'Alpha Condé? Ça devient du poison. Bon, moi, je ne rentre pas dans ce débat. Ouais. Je ne crois pas parce que je ne vis pas avec M. Seydou Dalé Ngallo, son épouse. Oui, je ne peux pas rentrer non plus dans sa vie privée. C'est une probabilité. Je ne peux pas rentrer non plus. Je n'ai pas le droit de rentrer dans la vie privée de M. Seludel Ngallo. Oui, c'est une probabilité. Que je respecte. Voilà. Mais ça m'étonnerait que l'épouse de Seludel Ngallo puisse livrer des informations à l'autre camp. D'autant plus que cette femme n'est pas dans les besoins. Elle n'est pas dans les besoins. Mm-hmm. Ouais. Mais elle est en contact avec cette autre cousine qui... Non, c'est pas sa cousine, c'est sa demi-sœur. Oui, c'est ce que je dis. Elle est en contact permanent. Et qui dit contact permanent, effectivement... Bon, je ne peux pas. Peut-être que toi, tu as cette information. Mais ce que je sais, c'est que cette dame n'est pas du tout dans les besoins. Pas du tout. Je connais ses enfants à Clermont. Avec tous les moyens qu'elle a, ses enfants sont très, 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 très sages. J'ai connu ces enfants à Clermont qui font l'université à Clermont. Et donc, vous savez que c'est à Clermont que j'ai demandé l'asile. Et c'est à Clermont que j'ai eu l'asile avant de venir à Paris. Et donc, je connais bien cette femme. Je l'ai rencontrée deux fois à l'hôtel de M. Seludel Ngallo ici. Mais je ne crois pas que cette dame puisse avoir une telle attitude. Et puis, non. Je connais sa sœur. Tu ne m'as pas compris. Ce n'est pas une question de besoin. Je dis, celle qui joue le jeu là,
maîtresse entre les élites de l'État, ben, c'est sa demi-sœur. Dans les causeries, elle peut subtiliser des informations sans même que la femme, la deuxième femme... Bah, elle peut le faire à son insu, hein, elle peut le faire à son insu. Voilà. Voilà, sans que la personne... Ouais, dans des causeries familiales ou bien choses comme ça. Bon, ben, il revient maintenant à Mme Kadia Touba, à Mme Sélou Dalein Diallo, d'être vigilante dans ses propos, dans ses causeries avec sa demi-sœur. On ne peut pas les opposer, c'est sa sœur. Mm-hmm. Mais il revient maintenant, si elle, comme elle sait déjà que l'autre est en train de mettre les bâtons dans les roues du parti de son mari et de créer même des problèmes à son mari, et puis parce qu'elle est derrière, tous les faux problèmes qui s'abattent aujourd'hui sur l'œuvre de elle est derrière. Je ne dis pas qu'elle est la principale cause, mais vraiment, elle n'est pas innocente. Mm-hmm. Elle n'est pas du tout innocente. Et donc, et c'est elle, pas une autre personne qui a fait rentrer M. Tchangel. C'est elle. Donc, parce que Tchangel est un grand ami à Alpha Boakar. Mm-hmm. Et donc, Alpha Boakar, ben, c'est sa maîtresse. Donc, a usé de ça pour que son ami soit excusé par le président, par M. Alpha Condé. Mm-hmm. Et donc, c'est comme ça que Tchangel s'est retrouvé en Guinée. Et donc, la femme continue à débaucher, la femme continue à nous mettre les bâtons dans les roues, la femme continue à, sincèrement, hein, donc elle veut vraiment, vraiment, vraiment neutraliser, anéantir l'UFDG. Je ne sais pour quelle raison, peut-être pour maintenir son poste, et parce que, mais je l'ai dit, que même le ministre de la Santé devait être débarqué, elle est la DAF du ministère de la Santé, je crois que, à un moment donné, c'est elle... qui a fait en sorte que celui-ci ne soit pas déplacé. C'est quand même bizarre que la deuxième femme de Sélou Dalein Diallo, cousine, demi-sœur aussi, soit maîtresse d'Alpha Condé. C'est quand même bizarre. Hein? Ben oui. Alors, en tout cas, moi, ce que je peux conseiller à mon président, le président, son excellence, M. Sélou Dalein Diallo, c'est d'être vigilant. Oui. Parce que ses ennemis sont dans son propre entourage. Voilà. Avant, les problèmes se posaient en termes de d'ethnie. Mais aujourd'hui, là, ce sont même les Peuls qui sont en train de faire la traîtrise à M. Sélou Dalein Diallo. Donc, c'est pour vous dire combien de fois que le problème, il n'est pas ethnique. Le problème, c'est une question de personne. C'est un problème de personne. Exactement, un problème d'intérêt aussi. Les gens suivent leur intérêt. Exactement. Les gens suivent l'intérêt. Ils se disent que, bon, M. Sélou Dalein ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Ben, il n'est pas au pouvoir. Évidemment. Ses moyens sont limités. Il peut donner que ce qu'il a. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Exactement. Voilà. J'entends les gens dire il est milliardaire, il est premier opérateur économique à Dakar. Bon, moi, j'étais à Dakar. En tout cas, j'ai pas su ça. J'ai pas su si M. Sélou Dalein est milliardaire. Opérateur économique. Les amis, partagez la vidéo. Et donc, il était une personne dans les ressources, ça je le sais, pour les organisateurs de corridor, dire là maintenant que c'était lui qui est décoré premier opérateur économique à Dakar, non. Ce sont des personnalités africaines. Donc, c'est lui dans son domaine, c'est un économiste chevronné. C'est lui dans son domaine, c'est illustré. C'est ça. J'étais là à la cérémonie. Donc, quand j'ai entendu les gens dire que c'est lui qui a été décoré premier, alors que moi j'étais dans la salle, ça m'a ébahi. Ouais. J'étais dans la salle avec Fode Wusu, avec Elhadj Garambe. On était dans la salle. Il n'était pas décoré comme premier opérateur. Il n'était même pas dans la galerie des opérateurs économiques. Il était dans la galerie à la loge des personnalités africaines. Le Guinée est méchant. Hein? On dit que est le premier investisseur étranger à Dakar. De toute façon, j'ai fait 3 ans là-bas. Si c'était le cas, il a ceci, il a cela, il a des immeubles. Moi, il m'aurait logé parce que moi, il payait mon loyer parfois. Ben, au lieu de payer mon loyer, il aurait pu me loger dans une chambre. Ça ne lui coûtait rien en ce moment. Exactement. C'est des blabla. Mandian, si par hasard tu étais la position de Sélou Dalein Diallo aujourd'hui, sachant très bien que ta deuxième femme est la demi-sœur de la maîtresse d'Alpha Condé, ben, quelles seraient réellement tes réactions et quelles sont les précautions que tu aurais prises? Ben, les précautions que j'aurais prises, c'est pas autre chose, c'est... Un politicien, ben, monsieur Lou, on ne peut rien lui dire. Hein. Les gens pensent qu'il n'est pas politique. Monsieur Cielou est plus politique que monsieur Alpha Condé. Ah ouais. Parce que d'abord, il est mieux formé que monsieur Alpha Condé. Monsieur Alpha Condé va dire qu'il a fait la Sorbonne, mais je vous jure qu'il n'arrive pas à la cheville de monsieur Cielou Dalein Diallo.
Ouais, la politique de l'administration. Il n'arrive pas à la cheville. Alors, non. Donc, M. Seludelin a l'expérience gouvernementale. Il a l'expérience politique. Ouais. Alors, donc, Premier ministre, ministre pendant plus de 10 ans, qu'on me dise encore aujourd'hui que lui n'est pas politique, bah, c'est parce qu'il ne fait pas la politique de la même manière que les sanguinaires. Exactement. Voilà, il ne fait pas la politique de la même manière que les sanguinaires, les va-t-en-guerre. Mm-hmm. C'est peut-être ça, hein. Peut-être lui ne dit pas aux gens, allez vous faire tuer pour qu'on marche sur des cadavres. Parce que quand il y aura 100 morts, 200 morts, une seule journée à Conakry, dites-moi que le pouvoir de Michel Alpha Condé est fini. Hein. Ah oui. Voilà, mais si lui n'accepterait jamais ben, de prendre le pouvoir dans un bain de sang. C'est quelqu'un que je connais. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y aura transition. C'est pas parce que je doute de sa victoire, c'est pas parce que je suis pas avec lui, ou bien, non, c'est pas, c'est loin de là. C'est parce que Selou ne peut pas accepter de prendre le pouvoir dans un bain de sang. Il est pieux. Alors, il est issu même d'une famille maraboutique. Il peut pas faire du mal à une mouche. C'est vrai. On va me dire, bon, s'il peut pas faire du mal à une mouche, il n'a qu'à quitter la politique. On peut jamais faire la politique sans être sanguinaire. On n'a pas besoin d'être sanguinaire pour faire la politique. C'est ça, c'est la vision des affaires par rapport à la politique. Alors, M. Mandian, nous allons revenir maintenant sur le troisième là, sujet. Je vais devoir quitter dans 3 minutes. Ils sont en train de m'appeler sur le téléphone. Oui, je crois qu'ils sont là. Ah, oui, d'accord. Ben, sur le sujet concernant Kassori, clairement que Kassori avait démissionné. C'est une réalité. C'était une réalité. La date, la lettre est signée du 24. Mais c'est après, le 20, il a appelé le président une fois, deux fois, 2 jours de suite. Le président ne prenait pas et c'est le protocole qui prenait le téléphone. Et finalement, Kassori s'est dit, ben écoute, et au même moment, on lui demandait d'accepter que Gané soit chose. Parce que Gané est venu en Turquie après que le président... Les sorciers de la connexion. Et, en Turquie maintenant, alors il a fait sa convalescence. Donc... C'est avant l'opération, Kassori a quitté. Mais on a déjà prié Kassori d'accepter que l'autre soit Premier ministre par intérim. Tu t'imagines déjà? Parce qu'il ne savait pas comment l'opération allait se terminer. Vous avez vu comment les gens, là, même entre eux, ils sont cyniques. Alors, donc, Kassori aussi, ayant fait 2 jours sans que le président prenne ses appels, alors, il a dit non, cette affaire de président par intérim, je ne démissionne plus. Mais au même moment, c'est son cabinet qui se lève aujourd'hui pour dire qu'ils vont porter plainte contre ceci. C'est eux-mêmes qui ont diffusé la lettre. Il y a eu fuite à partir de son cabinet là. C'est ça même. Pour noyer le poisson, il se fonde dans un communiqué laconique, cousu de fautes même, truffé de fautes. Après, ils disent maintenant on va porter plainte contre les auteurs. Où sont les auteurs? Où ils vont les trouver? C'est eux-mêmes. Bien sûr. La fuite est partie de là. Et si vous remarquez, ça date du 24, alors que le bruit a couru le 26. Ouais. Tu t'imagines? Donc, ils se sont trompés eux-mêmes dans leur réplique. On est le 26, ils mettent la date du 24 sur leur correspondance. Tu t'imagines? Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport au retour d'Alpha Condé rapidement? Bon, il était en Allemagne aujourd'hui, je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, ben, Kassori, je vais vous dire, Kassori avait démissionné, mais c'est quand il a su qu'on veut positionner Gané, Kassori voulait démissionner. Mais il attendait que les cérémonies la finissent tout, que tous les honneurs lui soient rendus en tant que Premier ministre. Après maintenant, ben, il rend le tablier. Mais c'est quand il a vu que le président ne prend plus ses appels, il s'est dit peut-être on est en train de positionner Gané. Donc, ministre chargé des affaires présidentielles, ministre d'État de la Défense, ministre, premier ministre par intérim. Vous avez vu, quand il a été dans la famille de Toto, on ne parlait plus de ministre de la Défense. Hein, on disait maintenant monsieur le premier ministre par intérim. Donc, Kassori a compris par là que attention, on veut peut-être me déloger. Au lieu que je démissionne, on ne sait pas ce qui est arrivé à Alpha. Donc, lui aussi, il était dans le doute. Comme ça fait 2 jours, Alpha ne prenait pas ses appels. C'est le protocole qu'il prenait. Il s'est dit, est-ce que quelque chose n'est pas arrivé au président? Si je démissionne maintenant, là, je ne peux pas me lancer dans la bataille de succession. Ouais. Voilà. C'est à cause de ça, hein, il a reculé. C'est à cause de ça, il a reculé. Parce qu'il a été pris de court par la traîtrise de son cabinet, ben, qui se fend aujourd'hui dans un message, dans un communiqué pour noyer le poisson. Voilà. C'était ça. Alpha Condé, il est prévu qu'il retourne, mais ils veulent cette fois-ci, peut-être, ils veulent créer une dissension au sein de l'ANA des consorts pour préparer son retour sur fond de crise en jetant l'anathème sur l'ANAD et l'UFDG pour que les gens se détournent un peu de son retour, alors qu'il ne va pas durer, il va revenir en France encore, chose en Europe.
parce qu'il est malade. Il rentre avec une sonde, ça c'est clair et net. Ça, il n'y a rien là-dessus. Il rentre avec une sonde, hein, il rentre avec une sonde, et donc, il faut une cicatrisation. À son âge-là, la cicatrisation est très lente. Voilà, je ne sais pas maintenant s'il va déplacer tout ce qu'il faut ici comme chose. Et de toute façon, voilà, je crois que les gens sont à ma porte. Je m'excuse auprès de vos millions d'auditeurs et je crois qu'on aura le temps d'en parler un autre jour. Je présente mes excuses si je me suis répété dans mes propos, si j'ai blessé des gens, je présente mes excuses et une fois encore, je réitère mes sincères remerciements à tous ceux qui de près ou de loin m'ont soutenu et qu'ils sachent que je ne vais pas reculer et une fois de plus, que nos sages du Café La Violette ne veillent ne pas se mêler de ce dossier. Je vous remercie tous, je vous kiffe et à un autre jour pour d'autres actualités.